Et bien le bonjour à tous, et bien le bonjour à toutes, et bienvenue aux nouveaux arrivants et arrivantes qui viennent s'abonner à la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un jeu, TerraTech Worlds, qui m'a été offert par mon ami Chris, que je mets le lien de sa chaîne en description sous la vidéo. Allez vous abonner à sa chaîne, ça lui fera plaisir, et à moi également. Pour sa chaîne, on va essayer de viser premièrement les 500 abonnés. Alors, s'il vous plaît, allez vous abonner à sa chaîne, ça fera plaisir à lui et à moi aussi. Voilà. Donc, commençons le commencement. On va découvrir ce jeu-là, TerraTech Worlds, qui est paru sur Steam depuis le 22 mars 2024. Donc, c'est un bon petit jeu, bien sympa, et qui est tout à fait récent. Voilà. L'interface et les sous-titres du jeu sont en français, anglais, japonais, chinois simplifié et chinois traditionnel. Et 10 autres langues prises en charge. Bon, pourquoi pas. Le jeu coûte 29,99€. Ouais. Vous trouverez peut-être moins cher, soit ça vous cherchez. Ouais. Donc, on va commencer sur le jeu. On va aller soit rejoindre un serveur dédié, rejoindre une partie, se charger une partie. Mais on va commencer d'aller dans les options. Les options paramètres. Paramètres audio, non, langue, raté. On voit que c'est bien en mode français, voilà. Les graphiques, je vous laisserai régler tout ça, parce que je sais pas ce que vous avez comme matériel. Les commandes, vous voyez, c'est en clavier anglais. Bon, clavier anglais, ou clavier en QWERTY, ou ouais, clavier anglais, bien évidemment, on va rester sur le premier. Ça sera beau. Voilà, ça vous explique tout ce qui change, tout ça, et puis voilà. Là, retour au menu principal, on va faire une nouvelle partie, j'ai essayé un peu de mon côté. Vous avez le choix entre deux planètes. La planète Didactis, non. La planète, voici la planète du Didacticiel, c'est ici que vous allez apprendre les commandes de jeu de base. Et notre celle-là, c'est pas marqué en français, alors merci. Voilà, donc, vous pouvez donner le nom que vous voulez, qui est ici. Ici. Mais évidemment, moi, je vais pas lui donner le nom. Masse terrestre, 69%, plage de température, niveau de difficulté facile. Là, vous pouvez inviter des gens en ligne, amis uniquement, ou en mode privé. Pour l'instant, on va faire mode privé. Pour comprendre un peu le jeu. On va lancer. On a une petite cinématique qui va se lancer, bien évidemment. Si elle veut bien se lancer, on va pas te foutre de ma gueule non plus. Et qu'est-ce qui se passe là? Donc, c'est en anglais, mais sous-titré en français. Vous voyez que c'est marqué en bas ce qu'ils disent. Ça vous explique un peu la situation, tout ça, tout ce qui se passe, simple. En tant que spécialiste, vérité. Bon, je vous laisse lire en bas. Hein. Donc, en fait, ça vous explique ce qui se passe, ce que vous faites, qui vous êtes et qu'est-ce que vous allez faire. Voilà. Votre mission consiste à explorer le monde. Voilà. Voilà. Simplement. Le but du jeu, c'est d'explorer la planète, de récolter les matériaux, de créer sa base avec son véhicule de base pour l'instant. On a vraiment un véhicule de base pour commencer. Après, ce que j'ai cru voir par la suite, on va pouvoir l'améliorer, l'agrandir. Ça, je veux de la baston, de la bagarre. Ça va être bon, ça. Donc, là, on arrive. Déjà, ça commence bien. Déjà, voilà notre véhicule. On avance, on recule, gauche et droite. Pas si vite. Non, là c'est droite, là c'est gauche. Là, ce que vous voyez en face ici, ça c'est votre rayon pour récolter les minerais. Et on va appuyer sur table. On va équiper la mitraille. On la prend, clic gauche, et on l'équipe. Voilà. En faisant un clic gauche pour l'équiper. Ça c'est vos balles que vous avez avec. Ce connecteur de bord. Connecteur de bordure à double sens, je sais pas ce que c'est du tout. Ça va à l'arrière. Et on va en mettre deux. Et
Mais pas mal, mon petit truc. Eh, celui-là, on va aller ce tampon qui va à l'arrière. Ah oui, on pourrait changer les pièces de plusieurs manières, vous voyez. Ah. Vous invite pourtant à la caméra, c'est clic droit de souris. Bien vous amuser, je vous le dis. Voilà. Bon, je sais pas du tout ce que c'est, mais je mets. Allez, on est parti. Il y a des ennemis, des drones comme nous, véhicules, donc. Faut faire gaffe. Là, on va récupérer les matériaux demandés. Pour l'instant, vous voyez, si on s'approche de l'arbre, vous voyez, c'est marqué carbone, rendement 100%, en haut à droite. Et qu'est-ce qu'on a en bas à droite? Vous avez l'espèce de pile avec les deux barres. Ça, c'est votre niveau de laser pour récupérer les minerais. Vous voyez, ça descend. Arrivé à zéro, ben, il va falloir attendre que ça sorte, ça, bien sûr. Là, il y a les tâches en cours qui sont demandées. Placez votre chantier tech. On va essayer de trouver un endroit. Hop, on la récupère. On va essayer de trouver un endroit à peu près potable, bien évidemment. Et après plat, parce que pour l'instant, là, question plat, on repassera. Hein. Sur du carbone, on récupère. On récupère tout ce qui traîne, tout ce qui se promène. Alors, par contre, il est un petit peu plus long celui-là. Hein. Pas grave, on y croit, on en veut, on fonce, on fonce. Tout à l'heure, voilà, je me suis placé par là-haut, vers la plage, et j'ai déjà tombé sur un ennemi. Alors, merci. Les ennemis, eux, ils se défendent aussi, hein. Ouais, hein, des bruits de fer. Ouais, donc les ennemis, eux, ils se défendent, donc faites gaffe, hein, évidemment. On y va. Bon, celle-là. Non, c'est bon, on peut récupérer. Voilà. Et voilà. On récupère l'acier. On va voir. Parce que là, c'est un terrain qui est bien plat ici. Bref, est-ce que l'autre gus va pas venir nous déranger comme tout à l'heure? Vous avez vu, vous avez quelque chose qui vole là-haut, là. Espèce de drone, là. On va pas trop s'amuser avec eux. Hein. Bon, on va le dégager parce que pas pourquoi je le sens pas ce truc-là. Ça, vous verrez comment ça fonctionne. Ah, c'est pas un drone, c'est un véhicule par écolo. Faire gaffe parce qu'il est lui aussi il est équipé. Hein. Là, vous essayez de le paralyser le plus possible. On le fout en l'air pour récupérer les pièces. Là, vous voyez qu'il est équipé aussi d'une mitrailleuse. Est-ce qu'elle est... Ouais. Mitrailleuse est bien, belle, bien finie. Tranquille, voilà. Maintenant, on peut se barrer. On peut foutre le camp et trouver un petit coin tranquille pour se placer. Et un coin plat de préférence. Oui, mais tout vite. On fait une belle moindre météorite. Par contre, terrain plat. Hein? Merci, les gars. Oh, bah, c'est pas vrai. Il y a encore un ennemi là-haut. Oh, lolo, 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 lolo. Ça devait passer là. C'est quoi ça? Carbone. Encore? Bon. On va rester dans notre coin, nous, hein, pour l'instant. Et pour l'instant. Pour découvrir le jeu ensemble. Il n'y a pas place, moi, là. Ouais. On va s'approcher de la plage. Aïe, aïe, aïe. Le véhicule, il avait pris un coup. Voilà, donc, c'est notre première tâche. Je nous demande de placer votre chantier tech. On appuie sur table. Chantier tech, c'est cette bestiole. On la place. Là. Sur la plage, on commande un peu, et puis voilà. Merci, t'as remis comme ça, obtenir un chantier tech, vous savez. Voilà. Placer une plateforme, forme DI. Ça, faut aller là-dessus. La fabrication de la cabine de pilotage. La plateforme DI, là, voilà.
Mais bon, je vous invite grandement à en faire plusieurs. Un conseil que je vous donne. Vous comprendrez plus tard pourquoi que je vous dis ça. 4, 5 et 6, voilà. Et on prend ça et on place ça du mieux qu'on peut. Bien évidemment. Et voilà, j'ai raté, c'était pas la bonne touche. Voilà, on va rien tout, mais c'est pas grave. Non. Voilà, on tourne le clic droit de la souris. C'est un petit peu le menu qui est un petit peu chiant, je trouve. On fait le construction. 2, 3. On peut pas avancer? Non, pas ça. 2, 3, voilà. J'aurais dû en faire plus, mais pour l'instant, on va en faire que 6. C'est le début. Les gars, on va pas faire une grosse base, vu qu'on n'a pas les matériaux nécessaires. Fabriquer une rampe driti. On retourne dans table, dans l'engrenage qui est là. Et la rampe, elle est ici. On va fabriquer qu'une seule pour l'instant. Il y en a largement assez. On recule. On va dans l'inventaire, on la prend à la place, et voilà, et ça fait une belle rampe. Oh, la belle rampe, voilà. Et hop là, et on peut monter, et on peut descendre. Voilà. Ah, vous avez parti là. Non, non, bon, d'accord. On va refaire trois autres. Ah, vous voyez, il manque de matériaux. On va chercher de l'acier, pas grave. Hop, clic gauche. Dans les rochers, évidemment, le laser consomme aussi de l'énergie, donc faites gaffe. Hein. Enfin, oui, le laser consomme de l'énergie. Je vais les confondre avec la mitrailleuse. Alors, on récupère un peu ce qui traîne. Voilà. Voilà. On récupère tous les minerais d'acier. Enfin, non. Il y aura après une. Truc qu'elle va nous demander. On va nous demander un truc de faire le minerai d'acier. Ça, c'est la carte. Hein. En appuyant sur point d'interrogation. Le clavier, c'est un clavier anglais. Donc, si vous ne savez pas comment mettre votre clavier en anglais, il y a plein de tutos qui vous informent comment le mettre en anglais. C'est franchement très simple. Et vous verrez par vous-même. Voilà. Voilà, donc ensuite, il nous a demandé fabriquer un établi. On retourne pareil là-dedans. On cherche l'établi. Le bestiau. Voilà. On va déjà placer nos plateformes, si on y arrive, bien évidemment. On va essayer. Ah non! Trop tard. Ah, c'est bon. On va la déplacer. Ah, on prend l'établi. Non, pas comme ça. Attention, le E et le A, c'est pour tourner comme ça. Ah, tu vois, c'est toi. Et le Z et le S, c'est pour tourner dans l'autre sens. Évidemment. Moi, j'aurais trouvé comment on le tourne, c'est le bétard. Oh, voilà. Dégage, casse-toi. Non. Oh, c'est pas vrai. Là-haut. Avance, au fond, au fond. Et donc, pour le tourner dans l'autre sens, bétain, ben, ce qui veut pas, voilà. C'est le D. Tout ça, vraiment. Je vais le mettre au fond. Voilà. Nickel. Donc, maintenant, on va se mettre sa plateforme, ça même. Vous voyez pourquoi j'ai fait un 6 par 6, parce que, fabriquer un générateur de carbone AC. C'est assez dit la baleine de cachalot. Générateur de carbone à ces rouleaux. Vous avez le temps de fabrication? Ici. Voilà. On va faire pareil. Avance un peu, s'il te plaît, merci. On appuie en sort D. Et voilà. Alimenter l'établi. Merci. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est bon. Vous voyez, interagir ou allumer. Ah ouais, d'accord. L'autre est là-haut, là, en train de se promener. Interagir. Lui, il faut du carbone. Hein.
Générateur de carbone, c'est pour faire du carbone. Bien évidemment. Ça, forcément. Voilà. Eux, alimenter l'établi. Mais c'est fait. Voyez le quoi. Allumé, c'est bon. Efficacité max, c'est bon. Là, il est éteint. Là, il est... non, là, il est éteint. Ouais. Là, il est allumé. Là, il est allumé aussi. Bon. Alimenter l'établi. Interagir E. Bon, pourquoi pas. Là, c'est bon. Il est allumé. Carbone requis. Et c'est bon. Le tag qu'il fallait peut-être, je sais pas. Voilà, non, c'est pas ça. Je suis comme vous, je... Ah, voilà. Là, il est en vert, c'est bon. Donc lui, normalement... Voilà. Fabriquer un établi de ressources à l'établi. Fabriquer un établi... Non, fabriquer un fabricateur de ressources à fabriquer un fabricateur de ressources. Oh, là, quel bordel. Fabricateur de ressources, c'est où ça? Vision, non. Bloc, non. Raffinerie, non. Non. Générateur, non. Non. Fabricateur de ressources, c'est quoi ce truc-là encore? Comme vous, je cherche, hein, bien évidemment. Donc, ne vous plaignez pas trop. Je suis comme vous, je cherche. Fabricateur de ressources, donc c'est au début, ça, je pense. Il y a des grandes chances. Tu as parlé sur la page 1, voilà, quand même. Cellule d'alimentation de réserve, ça. Générateur, devant, fragmenteur, raffinerie, fabricateur de blocs, plateforme de lancement, fabricateur de provisions, ça va être ça, je pense, non? Hein? Tâche en cours, je sais que j'avais trouvé la dernière fois objectif tâche en cours. Hein, non, 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 ressources. Oh, détruire les ennemis, vous voyez. Fabriquer un fabricateur, ça s'appelle comment ça? C'est E pour interagir avec l'établi, passer la ressource nécessaire à la construction et la fabrication. Astuce fabricateur de provisions. Les fabricateurs de provisions produisent certainement des types de munitions. Ah, les fabricateurs de provisions. On va savoir. Fabricateur de provisions, voilà. Il nous faut. Du carbone. Génial. Oh, on est reparti. Donc, moi je suis comme vous. Quoi encore? Je suis comme vous, je découvre en même temps que vous. Hein. Tranquille, pépouze. Hein. Pépère peinard. Pour l'instant, ben. On essaye de faire de notre mieux. Hein. Et vous avez compris, plus vous allez. Plus vous allez avoir de machines, plus il va falloir vous agrandir, bien évidemment, ce qui est normal. Parce que là, question place, bonne chance. On s'approche avec la roulette, interactif E. Du carbone. Merci toi. Voilà, et c'est en train de se fabriquer. En attente d'une action. Ah bon? Bien, dans, s'il te plaît, merci beaucoup. On va reculer un peu, parce qu'à mon avis, Bestiaux, il va prendre toute ta place. Bon, c'est quand on veut ces tables. On va prendre. Aïe, aïe, aïe. Je vais pas te tourner. Merci beaucoup. Fabriquer des munitions légères, 50. Ah, merci. Aïe. Interagir. Munitions légères. Qu'est-ce qu'il faut?
Aluminium et du carbone. Oh, pourquoi pas. Allez, pousse-toi, toi. De l'aluminium, si vous voulez. Bon, ça. On reprend. On va pas s'embêter la vie. Marche arrière. Le carbone. Ouais. Le carbone, ça. Oui, carbone. Et de l'aluminium. Mais bien chiant avec l'aluminium. Pas encore trouvé. Il y a un Gugus qui est dans le coin. Je sais pas où c'est qu'il est. Ça commence à se remitrailler la paillasse en 2 secondes. Avec mon petit truc, mon tempo. Un rocher. Oh la vache. Ah ouais, il y a encore un drone là-haut. Je crois que la lune, il est là-haut. Bon, dans ce coin de munitions, je sais plus. Je sais pas. Je vais voir. 55. Hi. Ouais, bon, ben, on se taille. Hein. Bon, j'ai mis deux tampons à l'arrière. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Tampons à l'arrière, moi, comme ça. S'il veut nous rentrer dedans, il aura une petite surprise, Gaïa. Ça, c'est du rocher. Ça c'est une drôle de. Oh non! Ouh la vache! Alors là, toi j'arrive. Alors ça va se payer cher, ma vieille. Oh, ça je m'y attendais pas du tout, celle-là. Alors ça pour moi c'est une c'est nouveau, je viens de le découvrir. Hein. Il pas de champignons, je sais pas ce que ça fait, mais c'est pas grave. On va chercher surtout après de l'alu si on en trouve, bien évidemment. Ça c'est du carbone. D'ailleurs, si vous vous retournez, il n'y a rien de plus simple, c'est quoi ça? Quoi ça? Oh. Cupride. Ouais. Du rocher. Du rocher. Ça c'est un arbre. Alors, on va chercher après. Ouais, les ballons gonflables, merci. Je crois qu'il va falloir qu'on se bastonne avec un. Une espèce de tas de ferraille qui nous attend là-haut, là. Ça va être génial. Là. Ah non, peut-être une chance. Du quartz. Mais il est où l'alu alors? C'est drôle, toi. Quartz et du quartz. Tac, ça commence bien. Bon, l'autre bétail, il nous manque de l'alu. Et quoi ça? Carbone. Un rocher. Du carbone. Rocher, rocher. C'est un arbuste. Ouais. C'est un rocher, et ça, c'est un ballon gonflable là-haut. Là. Qui fait. Ah, c'est mal. Magnétite, ça, c'est du fer. On a du fer, on a des débris ordinaires, on a des débris, du carbone, et on n'a pas d'alu. Est-ce qu'il ne faut pas le fabriquer, l'alu? J'en sais rien. Ça, là est la question. C'est rien du tout. Je sais pas comme vous. Comme vous, je cherche. Je cherche et je recherche. Et je farfouille, je trifouille. Allez, viens ici, toi. T'es où, toi? Bon, il y a une chance sur deux que je finisse en passoire. Hein. Soit c'est lui, soit c'est moi. Et c'est ça. Et arrête de bouger. Hop là, t'as pas rien de bon, pote. Allez. Attention, si vous voulez tirer. Arrête de tourner. M'énerve, lui. Faut qu'il n'y a pas une pièce par hasard, non? Oh oh, j'ai plus que 6 bastos.
Pas mort? Non, du tout. Je vous prie. Oh la vache. Allez, je passe. Ah, c'est quoi ça? L'aluminium en plus. Oh, j'en avais pas l'anti moi. Un météorite, c'est de l'alu. Ah bon? Donc, vous savez maintenant à quoi ressemble de l'alu. Ça, je crois, ouais. Voilà. On récupère l'alu, on va faire les munitions. Ça va chier des bulles. Parce que j'arrive plus du tout, je suis à sec, c'est pour ça que j'ai pas pu dégommer l'autre. Ça n'a pas de tournant en rond là. Il me doit y avoir mal de mer, mal du père, ça est bon. Donc, hein, le truc c'est de récupérer un max de ressources et de suivre le tutoriel au début. Ouais. On y va. Et à faire gaffe aux fleurs qui est en forme de ballon là. Je me suis bien fait avoir. Satané fleurs là, là. C'est l'homme et les fleurs en forme. De toute façon, si vous avez vu les vidéos, vous verrez bien. Interagir du carbone, du fer et de l'alu. Well. Et les infos. Les infos. On en fait que 40. Et les infos 50. Oh la vache. 30, 40. Qu'est-ce qu'il manque? Voilà. Réservoir de munitions léger. Peu. Pas encore. Aïe. En douille. Voilà, c'est pour fabriquer une raffinerie. Oh, c'est pas vrai ça. Eh hey, oh. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant, les amis. Hein, parce que sinon, c'est... il va falloir que je fabrique des plateformes. Parce que ça fait un peu petit. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche et de partager si cœur vous en dit. En attendant, moi, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Allez, ciao, bye bye.